Dans l'actualité, désormais, une moto vendue sans casque constitue une infraction et est passible d'amende et de peine de prison. Par cette décision est lancée une semaine de sensibilisation au comportement routier civique. Il s'agit de la 6e édition de la semaine de la sécurité routière qui met le doigt cette année sur le port du casque. La cérémonie de lancement a été marquée par la remise du décret portant obligation aux commerçants d'intégrer le casque dans l'opération de vente. Kuala Nebier et Sébastien Zongo. La sensibilisation au port du casque est au cœur de la 6e édition de la semaine de la sécurité routière. Un ensemble d'actions en réponse à l'interpellation des chiffres, 45% des personnes admises dans les hôpitaux pour cause d'accident souffrent de traumatismes crâniens graves, 80% de ces cas impliquent des engins à deux roues et surtout des jeunes. Au regard du coût élevé au niveau social et économique pour le pays, le ministre en charge des transports recommande d'adhérer au principe du citoyen nouveau. Un citoyen qui respecte scrupuleusement le code de la route, celui qui s'autodiscipline, qui n'a pas besoin de voir un policier pour marquer l'arrêt à un feu ou à un stop. À toutes les personnes ici présentes, je vous invite fortement à être de bons citoyens et des ambassadeurs du port du casque et du respect des consignes de sécurité routière autour de vous. Cette 6e édition mobilise l'Office national de la sécurité routière, l'ensemble des structures et organisations concernées et 6 ministres coparins autour du thème « Le port du masque, une nécessité vitale ». La sécurité routière ne saurait être l'affaire d'une seule structure ni de quelques acteurs, elle est l'affaire de tous. Nous devons tous œuvrer à mettre en alerte le sens de la responsabilité chez tous les usagers, qu'ils soient piétons, cyclistes, conducteurs de motocycles ou automobiles. La sensibilisation implique aussi les importateurs et vendeurs de motos et motocyclettes à travers la vulgarisation du décret en vigueur depuis 2005 portant obligation d'intégrer le casque aux équipements de la moto lors de la vente. Les motos que nous achetons ne sont pas fournis avec des casques. Il faut une certaine cylindrée qui fait que les motos qui viennent avec les casques sont vendues avec les casques. Voyez-vous? Alors quand on dit de vendre avec les casques, donc il y a eu une incompréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les casques et les vendre? Donc on va même peut-être certainement rencontrer le ministre des Transports pour essayer de porter cette doléance à leur connaissance. La semaine de la sécurité routière, c'est un ensemble d'activités, dont une caravane sur le port du casque le samedi 13 août à la place de la Nation. Écoutez, celui qui ne porte pas de casque a jugé qu'il n'a rien d'intéressant dans sa tête à protéger. C'est vrai qu'il y a les textes réglementaires, mais nous sommes donc dans cette dynamique de pédagogie pour amener les jeunes surtout à porter le casque. Je voudrais aussi appeler les acteurs de la sécurité routière, notamment les structures étatiques, les associations, les ONG et toutes les bonnes volontés à renforcer cette sensibilisation sur le port du casque. Au niveau du gouvernement, nous sommes disposés à accompagner ces acteurs pour qu'on arrive un jour à une généralisation du port du casque. L'animation d'émissions radiophoniques et l'organisation de séances d'aérobic, de sensibilisation sur le port du casque et la ceinture de sécurité sont aussi au programme de cette semaine de la sécurité routière du 9 au 13 août 2022.